Thank you.
Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a plein d'activités en même temps. Donc c'est dommage. Puis la météo n'aide pas aussi avec la pluie verglaçante. Ok. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Ici. Notre lancement. Merci d'être venu, malgré la pluie, le mauvais temps et la multitude d'événements qui se passent en ce moment à Montréal. On apprécie votre présence ici. Alors, vous êtes au troisième lancement des éditions Hashtag. Nous avons beaucoup de choses à célébrer depuis la fondation de notre maison d'édition dédiée à la littérature monde, à la diversité et aux nouvelles voies de la littérature québécoise. Tout d'abord, comme vous le savez déjà depuis mon dernier discours du printemps 2019, notre travail est actuellement reconnu par le ministère de la Culture et de Communication, ce qui nous donne le statut de maison d'édition agréée, admissible à différents programmes de financement. Cette année, nous avons eu notre premier financement, infime, mais combien apprécié de la part de la SODEC. Au niveau de la distribution, nous continuons notre belle aventure avec Gallimard éditeur, diffuseur, c'est notre Gallimard diffuseur, qui s'occupe de la mise en marché de nos livres dans les librairies et de notre présence au Salon du Livre. Ce printemps, nous avons participé au Salon du Québec et à partir de demain, Hashtag aura son propre stand au Salon du Livre de Montréal avec le numéro 731. Nous vous invitons donc à passer nous voir et rencontrer nos auteurs qui seront toutes et tous présents pour les séances de dédicace. Pour les relations de presse, nous travaillons présentement avec l'Agence de la communication qui a le siège à Québec et je remercie particulièrement Dominique Lalande pour être venu de Québec pour notre événement. Un autre changement très important est notre nouvelle imprimeur, la compagnie Mardi Graph.
une entreprise qui nous a charmés par l'esprit de famille qui domine nos relations. Pour les derniers titres, nous avons donc renoncé au système offset à la faveur de l'impression numérique, ce qui donne à nos livres une plus grande qualité. Au niveau de l'équipe de rédaction, nous sommes heureux de compter un nouveau membre, Mathias Karpula, qui est surtout responsable avec le comité de sélection pour la poésie. Je profite pour lui souhaiter la bienvenue au sein de l'équipe Hashtag. Je veux aussi remercier l'équipe entière pour son dévouement. Mireille Avedéen, directrice de la collection d'essais et notifications. Miruna Tarkeu, qui est présentement en Belgique pour continuer ses études postdoctorales. Et non pas un dernier, Daniel Orsake, pour les magnifiques couvertures et ses mises en page qui font notre spécificité sur le marché du livre au Québec. En tant que maison débutante, nous sommes encore à l'étape où les délais arrivent toujours trop vite. Nous sommes tous en apprentissage et ce n'est que la dédicace et la passion qui nous font surmonter les obstacles jour après jour. En tant que chef de cette aventure éditoriale, je dois remercier mon équipe pour la patience et la tolérance devant les nombreux défis, sauts d'humeur, messages incompréhensibles, bourrés de fautes, envoyés de partout et en tout temps, même à 4 heures du matin. On dit que travailler avec des amis, c'est difficile. Personnellement, je crois que cela représente cependant un avantage pour mon équipe, celui de connaître mes habitudes et l'état de ma santé mentale. Lorsque mes messages débordent, se superposent, se contredisent, ils peuvent tout simplement dire « Elle est folle ». En ce qui concerne les titres que nous allons vous présenter ce soir, on espère avoir respecté notre projet initial, celui de promouvoir une littérature ouverte vers la diversité et l'inclusion. Fidèle au sigle typographique auquel fait référence son nom, Hashtag se propose de valoriser l'émergence de nouveaux récits qui porte sur les multiples identités qui forment le tissu social du Québec. On est heureux d'inclure dans notre catalogue d'automne des auteurs comme Nassira Belloula et Laurence Caroncé, qui représentent chacun et chacune à sa manière une facette de notre diversité québécoise. En tant qu'auteur moi-même, je m'intéresse aussi aux aspects profonds de notre société qui restent moins bien représentés en art et en littérature. Nous avons aussi réussi à accomplir la première traduction de la littérature monde. Il s'agit de Gila Mossaed, poétesse suédoise d'origine iranienne qui occupe la chaise numéro 15 à l'Académie suédoise. Ce projet n'aurait pas pu se réaliser sans la contribution de Françoise Sull, la traductrice de Gila en français, qui joue en même temps un rôle essentiel dans la promotion de la littérature québécoise en Suède. Nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous ce soir ces deux invités d'exception qui ont fait le chemin depuis la Suède pour participer à notre lancement et au Salon du Livre de Montréal. On va commencer par donner la parole à Françoise Sull pour présenter l'œuvre de Gila Mossaed. Nous tenons aussi à remercier le Conseil des arts suédois pour le support offert à cette traduction. Françoise, à ton tour, à votre tour. Bien, bonsoir, merci. Merci, comme on dit en suédois, hey. Et généralement, on répond... Hey. C'était aussi compliqué que ça. Voilà. Et merci à Félicia qui était venue en Suède il y a plusieurs années grâce à l'AIEQ en tant qu'auteur invité. Ce soir, c'est une personne spéciale. Vous me direz que toutes les personnes sont spéciales, mais elle est particulièrement spéciale. Gila Mossaed, et tu l'as très bien présenté, Félicia, poétesse qui... arrive en Suède en... D'accord. Elle le sait elle-même. J'ai dit à Gila qu'elle parlerait français à la fin de la semaine. Donc elle a 86, elle est en exil comme réfugiée avec ses deux enfants, passage avec
les passeurs, les fameux passeurs, on n'a pas le droit de tout emporter, on n'a pas le droit d'emporter les jouets, et on ne peut pas emporter ni livres, ni souvenirs. Donc, c'est la Suède dans le... la Suède profonde, ce n'est pas Stockholm, ce n'est pas l'Académie, c'est la pleine campagne, et ça s'appelle Värmland. Et après, et Gilla a écrit, a besoin d'écrire, d'écrire parce que c'est survivre, et c'est devenir visible. Pour être lu, si vous écrivez en persan, votre public est réduit. Si vous écrivez en suédois, vous rencontrez des amis. Et c'est ici que la langue devient survie, identité, moyen de communication, entraide. Une langue, c'est superbe. Et Gilla écrit de la poésie, est connu, très vite connu. Vous savez, le bouche à oreille fonctionne bien, même quand on a des bonnets sur les, sur les oreilles. Et le Gilla, je vais raccourcir, vous avez une personne qui est couronnée de prix. Elle a eu les prix, cette année, le dernier, le prix le plus prestigieux de poésie nordique, qui est donné tous les deux ans. Hur många priser fick du i år? Les deux plus grands. Et ce que j'aime dans Gilla, c'est son humour et sa réserve et son étonnement. Tiens, ben j'ai eu un prix. Et tiens, ben je suis à l'Académie. Et comment j'ai connu Gilla? C'est par une Vive les bibliothèques. La bibliothèque Nobel, Linda Nordenblad, me dit, mais Françoise, tu veux traduire elle. Tu as ton livre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et traduire Gilla, ça a été un travail de complicité. On a eu des grandes discussions pour savoir quelle était la fameuse couleur bleue dont elle parlait. Qu'est-ce qu'elle entendait par pièce, par coin, par espace? C'était une belle expérience d'amis. Et voilà, et maintenant on voyage ensemble. Et on est là. Et je pense que le mieux, c'est que vous lui posiez des questions. Et je traduis. Et si vous ne parlez pas suédois, c'est plus simple de les poser en français que je traduis. Voilà. I hope she said good things about me. I don't understand French. Peut-être qu'on va laisser des questions pour faire le voilà. Des romans de que, voilà. Donc voilà. Voilà. Et Gilla a écrit un texte pour vous qu'elle va vous lire et que je vous lirai en traduction. Elle est seule pour ça. Elle est seule pour ça. Ok. It's good. Ok. Och du gör sen när jag är färdig, okej? Okay. Ni får lyssna på svenska. Oj, oj. You should listen to me on Swedish. Jag har rest hit, inte bara från Sverige, utan från ett land där poesi har varit folkets kraft och styrka mot makthavarna i mer än 1000 år. Jag bar på ett bagage med stora poeter som Rumi, Hafez, Khayyam och 40 000 gazalskrivare. De följde mig för att skapa en stabil och vacker vägg att luta mig mot. För att kunna uttrycka mig, bli förstådd och läst sökte jag ett nytt språk. Och det var svenska språket som öppnade sin famn och bjöd mig till sin vackra trädgård. Jag sökte ett språk som kunde ge mig frihet att skriva om allt utan att bli straffad. Ett språk som hjälper rädslan försvinna ur ordens kropp. Men det var inte enbart detta som tvingade mig att byta språk från persiska till svenska. Det som var drivkraften bakom mitt skrivande
var att kunna bevittna min historiska situation i världen, att berätta om mig och miljoner till som mot sin vilja geografiskt omplaceras dagligen. Nu efter mer än 20 år knackar dikten på min hjärnas fönster, både på persiska och svenska. En triumf som språkets oändliga kraft har skapat åt mig. Jag skriver inte bara om exilen, jag skriver om livet, tiden, döden och en magisk tråd som binder ihop allt i en rad som kallas för kärleken och lyser i alla språk i världen. Varsågod. Je suis venue ici non seulement de Suède, mais d'un pays où la poésie a été la force du peuple et sa résistance contre le dirigeant pendant plus de 10 000 ans. J'ai dans mes bagages de grands poètes comme Rumi, Hafez, Khayyam et 40 000 poètes de Ghazal. Ils m'ont accompagné pour créer un mur stable et beau contre lequel s'appuyer. Pour pouvoir m'exprimer, me faire comprendre et être lu, j'ai cherché une nouvelle langue. Et ce fut la langue suédoise qui m'a ouvert ses bras et m'a invité dans son beau jardin. J'ai cherché une langue qui pouvait me donner la liberté d'écrire sur tout, sans être puni. Une langue qui aide la peur à disparaître du corps des mots. Mais ce n'était pas seulement cela qui m'a aidé à changer de langue, du persan au suédois. Ce qui était la force motrice derrière mon écriture était de pouvoir témoigner de ma situation historique dans le monde, raconter sur moi et des millions d'autres personnes qui sont déplacées géographiquement chaque jour contre leur volonté. Maintenant, après plus de 20 ans, le poème frappe à la fenêtre de mon cerveau en suédois et en persan. Un triomphe que la force infinie de la langue a créé pour moi. Je n'écris pas seulement sur l'exil, j'écris sur la vie, le temps, la mort et un fil magique qui relie tout dans une ligne qui s'appelle l'amour et qui lie toutes les langues du monde. Thank you. Först en svensk. Jag tycker inte om de tysta bergen fulla av styrka, men låter mig erövras. Jag dras till bergen som mörknar inifrån, visar sin vrede, otåliga, svåra att tämja, spottar de ut sina svarta berättelser. Jag längtar efter bergens uppror. Je n'aime pas les montagnes silencieuses remplies de force, mais je me laisse conquérir. Je suis attirée par les montagnes qui s'assombrissent de l'intérieur, montrent leur colère. Impatientes, difficiles à dompter, elles crachent leurs histoires sombres. Je voudrais vivre la révolte des montagnes. Det var ditt stoft som mindes mig i natt, kände på mig att du vill ha mig nära. Stängde dörrarna med lukten av blöt jord spred sig i rummet. Jag visste att du var död även i sömnen. På morgonen med din morgonrock på mig längtade jag efter din blick. Ce sont tes cendres qui se souvenaient de moi cette nuit. Je sentais que tu voulais être près de moi. J'ai fermé les portes, mais l'odeur de la terre mouillée s'est répandue dans la pièce. Je savais aussi dans mon sommeil que tu étais morte. Au matin, vêtue de ta robe de chambre, je voulais ton regard. En liten bit av ett träd, en kvist av solen, ett glas fyllt med jord. Kärleken täcker mig med sin tänbara hinna.
Jag andas genom mina ögonlock. Dödens fikor är tunga av stenar. Och jag bär på en kjol av glas. Var finns mitt hem? Un petit morceau d'arbre, une brindille de soleil, un verre rempli de terre. L'amour me recouvre de sa membrane élastique. Je respire entre mes paupières. Les poches de la mort sont alourdies de pierre. Et je porte une robe de verre. Où se trouve ma maison? Darvishen som dansar på hyllan har lämnat sitt hjärta i Balkh. I år min balkongsfärg är lila. I en resväska som står i hörnet av mitt rum ruttnar ett brev, bleknar en bild, skakas ett hus, men andas fortfarande. Le derviche qui danse sur l'étagère a laissé son cœur abattre. Cette année, mon balcon est de couleur mauve. Dans une valise, placée dans un coin de ma pièce, pourrit une lettre, pâlit une photographie, vacille une maison que l'on respire encore. I natt kom min mor till mig i mina drömmar. Hon hade på sig sju kjolar som bar på sju namn. Inga passade min kropp. Vi är myllan, trampades hårt. Vi är fruktbara, döda som spelade levande. Ska till mors dröm i natt. Vill dela döden med henne, ligger bredvid och räcker, täcker henne med min färgglada kjol. Il y a eu un petit changement de... Voilà. Cette nuit, ma mère est venue à ma rencontre dans mes rêves. Elle portait sept jupes, brodées de sept noms. Aucune ne m'allait. Nous sommes la glaise durement foulée. Nous sommes des morves fertiles qui ont joué à être vivants. Je rejoindrai le rêve de ma mère cette nuit. Je veux partager la mort avec elle. M'allonger à son côté et la recouvrir de ma jupe colorée. Sitter vid elden är i begynnelsens tid. Orden blåser in och värmer oss. Orden och elden har vi skapat själva. En dag kommer ett nytt sätt att närma oss varandra. Kärleken är fortfarande ett spädbarn. Vi upptäcker nya vägar att förnimma våra själar. Assise près du feu, je suis au temps de l'origine. Les mots s'engouffrent et nous réchauffent. Les mots et le feu, nous les avons créés nous-mêmes. Un jour viendra, une nouvelle manière de nous rapprocher. L'amour est encore un nouveau-né. Nous découvrons de nouveaux chemins pour apprendre nos âmes. Oj, jag sa på svenska. Just two more. Two more så. Jag är försvunnen på stadens gator. Kan inget alfabet, inget språk. I en bottenlös hiss såg jag i spegel som visade själens sprickor. Jag passerade fem kontinenter. I en åker på en skyskrapa plockade jag ett gräs som förgiftar alla framtida profeter. J'ai disparu dans les rues de la ville. Je ne possède aucun alphabet, aucune langue. Dans un ascenseur sans fond, j'ai vu le miroir qui montre les fêlures de l'âme. J'ai traversé cinq continents. Dans un champ, sur un gratte-ciel, j'ai cueilli une herbe qui empoisonnera tous les prophètes à venir. The last one. Ett barn vid havet är fött med mina tänder. Är på väg mot djupet. Trapporna är slitna. Gudinnans lilla staty välkomnar mig. Svaret finns under mina fötter. Det är kallt på marken. Är redo. Lämnar min ryggsäck åt mörkret. Lägger kinden mot marken. Och blundar. Och
och jag saknades här. Un enfant au bord de la mer est né avec mes dents. Je m'achemine vers les profondeurs. Les escaliers sont usés. La petite statue de la déesse m'accueille. La réponse se trouve sous mes pieds. Le sol est froid. Je suis prête. Je remets mon sac à dos à l'obscurité, pose la joue contre le sol et ferme les yeux. Oh, comme on m'a manqué ici. Thank you. Merci Gila, merci Françoise pour cette lecture. Maintenant, je vais inviter Mirella Vodéane, directrice de la collection d'essais Notifications, qui a fait aussi la lecture du roman de Nassira Belloula. Et c'est à elle la tâche de présenter notre nouvelle auteure qui nous a fait l'honneur de travailler avec nous. Merci Mirella. Merci beaucoup Felicia. Alors, il me revient le plaisir de présenter ce soir Nassira Belloula, écrivaine canadienne francophone d'origine algérienne. Pour elle, la littérature sert principalement comme support d'engagement, de militantisme. Sa cause, les femmes. Pourquoi ? Pour une prise de conscience de la condition des femmes qui n'est pas uniquement l'une délimitée à son pays natal, l'Algérie, mais qui est aussi l'une universelle. Après tout, vous savez, Tolstoï disait « Si tu veux être universelle, parle-nous de ton village. » Parler de son monde, c'est viser, concerner tout le monde. Et c'est ce que Nassira Belloula fait très bien. Après l'espace journalistique, un espace dangereux pratiqué en tant que femme en Algérie, c'est à la littérature d'accueillir ses idées et ses intentions. Alors, Nassira Belloula est auteure d'une dizaine de livres. J'aimerais rappeler ici juste quelques-uns. La Revanche de mai, une réédition chez La Pleine Lune de Montréal en 2003. Rebelles en toute demeure, Gemina, Visa pour la haine, Terre des femmes, des romans ou des récits publiés à Alger entre 2003 et 2014. Les Portes du Soleil, recueil de poésie en 1988, ou de très bons essais comme L'Algérie et le massacre des innocents, paru chez Fayard à Paris en 2000, Les Belles Algériennes, confidences d'écrivaines, paru chez Média plus Constantine en 2006, ou encore comme l'ouvrage 60 ans d'écriture féminine en Algérie, aux éditions ENAG d'Alger. Nassira Belloula s'installe au Québec avec sa famille en 2010 et depuis 9 ans déjà, elle honore notre espace littéraire auquel elle porte son souffle propre. Elle est lauréate du Trophée des femmes arabes au Québec en 2010 et du Prix international Kateb Yassine en 2015. Madame Belloula est la récipiendaire cette année du Prix Charles Gagnon pour l'essai sur le féminisme islamiste. J'ai oublié d'être Sagan, le deuxième roman de Nassira Belloula, qu'elle publie au Canada, renforce cette volonté de faire parler et de comprendre les femmes. Écrit au « je », la première personne, ce roman se construit sur un procédé bien connu en littérature, qui est celui de la mise en abîme. Un procédé d'enchassement, d'emboîtement dans le récit, d'autres récits. Vous savez, comme les poupées russes qui s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres, ou comme les tables gigognes qui rentrent naturellement les unes dans les autres selon une parfaite mesure. Nous retrouvons ce procédé admirablement exploité par l'auteur, autant au niveau du titre, du récit, de l'histoire en soi, qu'au niveau des personnages qu'elle crée. C'est ainsi que nous retrouvons, entre autres, le bien connu roman de Françoise Sagan, « Bonjour Tristesse », qui se trouve contenu dans le titre de ce roman et dans son histoire. C'est ainsi aussi que nous retrouvons une certaine tradition qui module la filiation mère-fille, qui tient une place importante dans ce roman. Une autre caractéristique de ce roman est le jeu avec le temps.
Le roman s'ouvre sur la réception d'une lettre qui agit comme un portail vers une autre dimension, vers le passé qui surgit tout d'un coup dans le présent pour dire qu'il y a des parcelles dans notre mémoire qui n'obéissent et ne cèdent pas à l'oubli, qui ne peuvent donc pas disparaître. Je finirai par dire que j'ai oublié d'être Sagan nous confirme une fois de plus que la littérature est un moyen d'ancrage dans la vie, que l'imaginaire permet de nous enraciner dans le réel, qu'il y a un message fort qui nous est délivré dans les romans. En lisant un livre, en plongeant dans l'imaginaire, il nous arrive très souvent de comprendre le réel. Alors sans plus tarder, j'invite Nassira Belloula à nous parler davantage de l'origine de ce roman, des idées et de l'intention d'écriture qui lui a permis de prendre forme. En fait, bonsoir. Bonjour. En fait, ce roman-là, au départ, ne devait pas être un roman, c'était des fragments de texte. Donc, c'était de l'inspiration et ça venait comme ça. Donc, c'était des textes vraiment disparates qui ne se collaient pas ensemble. Et à la fin, j'ai vu que ça convergeait finalement vers quelque chose. Donc, j'ai recommencé à zéro et j'ai fait la trame du roman en partant du roman de Sagan, Bonjour Tristesse, que j'avais lu à l'époque. Peut-être que j'avais l'âge où Sagan avait écrit son roman. Et une histoire est née comme ça. Une histoire est née entre la narratrice, une jeune lycéenne, et un prof de français qui arrive dans le village, qui va enseigner la littérature française. Et ce n'est pas que ça. Ce professeur-là est vu par la narratrice comme une porte ouverte sur un autre monde, sur le monde auquel elle n'avait pas accès. Elle vit dans un village, dans une tribu, si j'ose dire, aux portes du désert algérien, donc une petite ville perdue entre les dunes où les femmes se sentent doublement cloîtrées. Il y a l'espace déjà qui est limité par les dunes ou par le Sahara, et puis il y a l'espace familial qui est limité pour les femmes. C'est des frontières qu'on ne voit pas, mais ces frontières-là, elles sont là, c'est le poids des traditions, c'est le poids des coutumes, c'est l'oppression vers des femmes qui vivent dans un climat très conservateur où il n'y a pas d'issue. Donc, elle va se rebeller contre ce monde-là. Et c'est un roman qui porte sur la condition des femmes, bien sûr, sur la mal-vie de cette jeune fille qui découvre à travers l'amour et la littérature qu'il existe autre chose que son propre monde, qu'elle voudrait pas justement ressembler aux femmes qui l'entourent, sa mère, ses tantes. Elle voudrait être autre chose, saisir sa chance et vivre autrement. Malheureusement, il y a des péripéties qui vont enclencher des événements assez tristes et je vous laisse découvrir le roman, sinon je dirai tout. Merci. Je vais inviter Mathias Carpula, qui a commencé comme auteur hashtag avec un recueil de nouvelles qui a été lancé l'année passée et qui maintenant fait partie de notre équipe d'éditeurs. Et il va vous parler de Laurence Carencé et son recueil. Mais je tiens aussi à mentionner la participation de Miruna Tarkow qui a beaucoup contribué à l'accompagnement de l'écriture, la réécriture du manuscrit et malheureusement elle ne peut pas être ici, comme je vous ai dit, elle est en Belgique pour ses études postdoctorales, mais elle a une contribution majeure à la publication, à la sortie de ce recueil. Tiens. Bonsoir. Bien content de présenter Laurence Caron-Castonguay. Pour le présenter, je commence en citant deux petits extraits de La mort habite ici, le livre qui vient de publier chez Hashtag. Pour sa qualité littéraire, stylistique,
une phrase que ça m'a vraiment touché. La beauté est une langue qui se parle en silence. Un autre petit extrait. L'hiver approche, ses pas sonores résonnent sous la plaine nordique. Il s'arrêtera ici quelques mois avant de reprendre sa route. Et quand il se rendra chez toi, je l'accompagnerai. Laurence est artiste genderqueer multidisciplinaire. Et elle touche la performance, la littérature, la photographie, la création audiovisuelle et les arts visuels. Sa personnalité est très importante au sein de la ville de Québec et aussi dans le reste du Québec. Mais arrivant de Québec, en voyant tout ce qu'il fait à Québec, il porte de l'oxygène, de la respiration, de l'air frais dans la ville de Québec et dans le milieu littéraire. Trois éléments que je trouve très importants dans son parcours. Les ponts singuliers, donc interdisciplinaires, que Laurence édifie dans son travail personnel, mais aussi en collaboration avec d'autres artistes et avec des collectifs. Puis, encore plus important pour moi, c'est son point de vue sur la réalité. En effet, c'est comme s'il avait chaque fois un processus différent, un point de vue différent, une singularité dans le média qu'il choisit pour nous parler des petits détails sur la réalité. Et chaque fois, ça m'étonne, je suis toujours étonné pour ce qu'il utilise, que ce soit les paroles, que ce soit la vidéo, et je reste toujours étonné par son travail. Enfin, le point le plus important, c'est artiste queer gender. Gender queer, d'une part, ça peut faire peur encore, mais de l'autre côté, sont des notions désormais, depuis une trentaine d'années, qui sonnent aussi à la mode dans un certain milieu artistique et universitaire. Et cela, ça provoque aussi que ça peut devenir un peu commercial. Ce n'est pas son cas, parce qu'il y a un engagement politique, social, dans le travail de Laurence, qui est accompagné par la qualité de son travail artistique. Et donc, ça donne puissance à son profil et à son engagement queer gender. Et donc dans la mise en doute d'identité et de catégories sociales. Et donc, Laurence Caron-Castonguay. Je suis très ému par ta présentation. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est le fun, t'as une lecture très intellectuelle de mon travail que je n'ai pas nécessairement. Moi, je fais juste exister, mon existence en tant que telle est politique. Et jamais je vais tenter d'être politique dans mon travail, mais tout est politique. Et bref, bon, revenons-en à la mort à Bétici. En fait, moi, la mort à Bétici, là, c'était pas prévu pour être un recueil de poésie, c'était juste de l'amour que j'envoyais à mon épouse qui était seule à Québec pendant que moi j'étais dans le Grand Nord. C'est un récit de solitude, c'est un récit de deuil, mais au fond c'est très joyeux, c'est très serein. C'est ce que j'ai essayé de laisser transparaître, puis je pense que ça va dans le même sens que ce que tu dis, fait que je vais tout simplement lire. Ça va être plus simple comme ça. Chaque année, la première neige me rappelait que ma vie est une côte dans un one-way, que mon fond de teint s'épaissit pour cacher des crevasses de plus en plus marquées, que mon front s'élargit, que mes cheveux blanchissent, que chaque jour, c'est plus long de looker aussi fab qu'avant, que je ressemble de plus en plus à mon père avec du lipstick mauve. Cette année, elle me rappelle juste que le chemin de l'aéroport est de plus en plus court et que tu m'y attends. C'est pas normal chez moi d'être aussi confiant. Avec toi, les mois passent vite. Nunavik, notre terre en Inuktitut. Tout le reste leur est loué, même leur maison. On le savait tous, les cargos s'amarraient sur la baie,
chargée de cris d'enfants battus, de vomissures, de maux de tête, de fillettes enceintes, de mères aux yeux noircis. Aujourd'hui, le cargo est venu se déverser dans le village. Les oursons grognent en arrivant à l'école, la tête haute, sortent les mains de leurs poches. Je dépose dans leurs paumes des petites perles pour qu'ils s'en fassent des vies. Assis sur un sac de vidange, j'ai mangé un cœur de caribou cru, encore gelé, avec du sel aromatique en regardant la télévision. C'est une sorte de popsicle à la viande. Le sang qui coulait sur mes toits goûtait l'épinette. Mais il n'y a pas d'arbres au nord de l'aéroport du village. Les caribous traînent avec eux l'arôme du sud et viennent mourir ici. Chaque matin, je me dépossède de moi-même. J'enfile un costume de dude low-key gay, puis mes lunettes de ski, et je marche jusqu'à l'école. Chaque jour, au retour du travail, je retire la peau de mon visage et la suspends sur un des crochets dans l'entrée. Derrière lui, il y a Lia Laurence que tu connais, mon amour, la chair que tu as créée, Carmen. J'ai hérité de tes pommettes, je les farde, c'est tout ce qu'il me reste de toi. Chaque soir, je t'appelle. Carmen, la beauté est la seule langue que tu parles. J'ai roulé pendant des heures pour t'amener un Pepsi interdit. J'ai regardé la vin se dérouler devant moi, sachant que tu serais au bout. Les médecins refusaient que tu retournes chez toi et t'avaient condamné au rack à vieux. Quand je suis arrivé, je t'ai vu assise devant les nouvelles. Ta peau était rendue si mince que la vie s'en échappait. Je t'ai tendu la canette et tes yeux d'enfant sont revenus pour une seconde pendant que tu la cachais dans ta veste. Je t'ai raconté mon premier grand voyage. Tu contemplais un avenir trop lointain où tu aurais marqué l'histoire par tes descendants. Et moi, tant de nostalgie mielleuse me pesait. J'ai feint la fatigue pour éviter de montrer mon malaise et je t'ai dit au revoir pour la dernière fois. J'ai 9 ans, tu es assise à côté de moi. Tu me montres comment dessiner deux maillons de chaîne qui se croisent. J'en ai dessiné partout des maillons de chaîne qui se croisent. C'était notre famille, du plus loin de notre histoire. 1978. Ma mère était de retour dans la maison familiale pour l'été, entre deux sessions au collège de la Bogatière. Tu l'as regardé dans les yeux et tu lui as dit « J'ai rêvé qu'un bébé arrivait dans la famille. » Ça avait l'air vrai. Ça se pourrait-tu que tu sois enceinte? Elle a baissé les yeux en disant « Ça se peut, je sais pas. » Tu l'as prise par la main et tu l'as amenée chez le docteur. Après, tu lui as juste dit « Bon, on va faire avec. » Les voisins en ont jasé pendant des mois de la petite Caron enceinte à 17 ans, pas mariée. Tu sais, Lucie, on règle pas un problème en créant un autre. Tu l'aimes-tu, le père de mon petit-fils? Vous avez préféré voir vos enfants grandir heureux. À peine un an après la naissance de ton premier petit-fils, la mort a dansé avec ton mari. Quand le deuil est passé chez vous, tu lui as juste dit « J'ai pas besoin de ton aide. Il est encore ici, mon mari. Je peux faire avec. » Les maillons de chaîne qui se croisent sur des napkins, sur mes cahiers, sur mes mains, sur du papier carotté, des maillons de chaîne qui se croisent partout. C'était l'été, il faisait chaud, trop chaud, Montréal étouffait, j'ai levé les yeux au ciel. Si ce que tu veux, c'est que je vienne habiter ici, arrange-toi pour que je le sache. Les signes se sont mis à s'aligner, les uns après les autres.
c'est à lui que je parlais dans ce temps-là. Prendre le téléphone pour t'appeler ne me serait jamais passé par la tête. Qu'est-ce qu'une grand-mère vivante pourrait bien réaliser comme miracle pour me faire comprendre mon destin après tout? Il y a eu la série de Théophile, des amants sans identité que j'ai crucifiés naïvement. Le dernier Théophile m'a dit ce que toi tu me disais souvent. C'est peut-être parce que tu devrais l'attendre. Devant la télé de mon appartement, je comptais le nombre de Benadryl pour que la mort me donne l'attention qu'un Théophile me refusait. Au même moment, ta fille revenue de l'épicerie, ton flanc gauche pendait, tes bras en masse inerte. Voilà, merci. Je vais enlever mon chapeau d'éditrice. Je vous reviens comme auteur. Avant de vous parler de mon dernier roman, je vais inviter Mirella pour vous expliquer mieux que moi qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai voulu faire. Ce n'est pas la première fois que je présente l'écrivaine Felice Amirali, mais c'est la première fois que je présente en docu-écrivaine, en fine observatrice de mœurs, de la vie des autochtones qui vivent dans les territoires du nord du Québec. Le registre thématique de Felice Amirali est l'un très vaste. Bien circonscrit dans le roman qui demeure sans genre, il se matérialise de Dina à l'enlèvement de Sabina, de la bien-aimée de Kandahar parue en anglais et en français à Sweet Sweet China, qui est un autre docu-roman paru en 2007 et qui est relié au tarot de Sheffersville, son dernier livre que nous présentons ce soir, par le choix du même personnage, Augusta, qui trace un pont entre l'univers de la Chine et celui des territoires du nord du Québec. Le docu-roman, c'est un genre développé dans les années 90 par les Britanniques, et qui fait son entrée dans notre espace dans les années, à peu près dans les années 2000. Un docu-roman, c'est une sorte de documentaire qui relate avec précision la vie telle qu'elle est vécue, et pour que la lecture ne soit pas monotone, il est parcouru d'une trame narrative, un docu-roman. Dans le cas du tarot de Sheffersville, Felicia réussit à naviguer avec finesse entre la réalité et la fiction pour faire converger en un seul point le réel et l'imaginaire qui est ici l'un de l'ordre mythique. En tant que critique, je dirais que ce docu-roman sert à documenter le destin, qui est symbolisé par ailleurs ici par le jeu divinatoire du tarot. L'écriture, dans le cas de Felice Amirali, est reliée au destin et à sa propre géographie. Augusta, le personnage de ce docu-roman, reflète des bribes de ce destin en reliant des espaces lointains, exotiques de la planète, où Felicia a réellement vécu et enseigné pour faire une expérience effective des lieux, pour les maîtriser, les comprendre, les métaboliser avant de les restituer. C'est en cela que nous reconnaissons la valeur de ces documents, parce qu'il est, vous savez, peut-être moins habituel et peut-être moins possible pour un écrivain de faire vivre le territoire en soi avant de l'écrire. Felice Amirali l'avait fait aussi bien en Chine que près du pôle Nord, dans les territoires du Nord. Pour Felicia, écrire est donc une forme de quête identitaire, inextricablement liée à l'adresse et à la disposition de l'étendue comme ouverture. Et comme anecdote, le personnage Augusta, n'est pas innocent, le choix du nom, car Felicia est née au mois d'août. Écrire pour Felicia Amirali, c'est se sentir perpétuellement en été, au mois d'août, un mois de la plénitude, de l'abondance, de la richesse et de l'élan.
J'invite Felicia à vous dire elle-même plus de la manière dont ce document s'est édifié, d'abord en son esprit et puis après pour se matérialiser en ce beau livre. Je vous ai dit que j'ai fait un bon choix en demandant à Mirella d'expliquer c'est quoi un docu-roman. On dirait que j'ai du mal à expliquer toujours ce côté de mes livres. Moi, quand j'ai écrit en fait ce genre, je savais, j'avais vraiment aucune idée que c'est les Britanniques qui avaient inventé ça. Ma source d'inspiration, en fait, c'est un réalisateur inuit, Zachary Akunuk. C'est lui qui a fait un film qui s'appelle Atanarjuat, The Fast Runner. Ce film, c'est une œuvre artistique, mais en même temps, ça joue le rôle d'un documentaire ethnographique, parce que ça présente les mœurs des peuples du Nord qui vivent de la chasse, qui se déplacent avec un traîneau de chien, qui vivent dans les maisons de neige. Donc, je me suis dit, je veux faire la même chose. Je veux parler comme un journaliste, comme un reporter sur le terrain, décrire la réalité telle qu'elle est, surtout dans les réserves autochtones qui vivent une vie assez difficile. Vous le savez sûrement, ce n'est pas juste la réalité au Québec, c'est partout au Canada. Mais en même temps, je savais que ça va être difficile à lire. C'est assez aride, c'est assez triste, sombre. Et alors, je me suis dit, peut-être je pourrais inventer une histoire qui relie ces morceaux de réalité. Et j'avais commencé en fait inconsciemment cette technique en Chine. En 2003-2004, j'ai travaillé à Pékin comme professeur de français aussi. J'enseignais aux adultes et j'avais de longues fins de semaine. Je travaillais jusqu'à 4 jours par semaine. J'avais 3 jours. Je trouvais ça long un peu en Chine. Ça peut être, c'était très venteux. Les hivers sont froids, venteux. Alors, comme ma bouée de sauvetage, c'était l'écriture. Et je décrivais mon quotidien. Mais à la fin, la même chose, je sentais que c'est trop, que personne ne peut lire autant de descriptions, autant de journalisme. Et c'est là que j'ai trouvé cette astuce narrative, si vous voulez, de coller des morceaux de réalité sur une trame narrative, sur une histoire en fait. Et en fait, Augusta, son aventure, sa quête identitaire, ça commence avec ce livre qui est paru en 2008, je pense, qui a été le coup de cœur de Renaud Bray. C'est un livre assez concentré avec des images. Je sentais, j'avais tout mis pour que les gens comprennent de quoi ça parle. C'était extrêmement concentré. Donc j'ai fait des collages avec des images que je prenais, des textes, de l'art chinois aussi. Le livre a eu une longue genèse. Mon éditeur André Vanasse a eu la générosité de le publier. Vous savez, ce ne sont pas des livres faciles. Pour un éditeur, ce n'est pas facile de publier un tel livre parce que le public n'est plus prêt à lire ce genre de choses si le public n'a jamais été prêt à lire ce genre de choses. Et ce livre a eu aussi une longue genèse, mais pour d'autres raisons. Parce que ça parle des autochtones, ça parle des réalités des réserves, ça parle de la situation de l'école, des enfants qui à 12 ans commencent à prendre de la drogue, à fumer, à faire des fugues, les abus, etc. Donc c'est très difficile de parler de ces réalités sans blesser personne, mais en même temps, je pense que c'est le temps d'arrêter de folkloriser la réalité des réserves et surtout la relation entre les Blancs et les Autochtones, ce que la littérature a pas mal fait depuis l'apparition. C'est une mythe, en fait. Et les deux solitudes dont on parle au Québec, à Montréal, vous savez, la célèbre Sainte-Anne des deux solitudes entre les anglophones et les francophones. En fait, ce n'est pas vraiment deux solitudes parce que ces deux cultures européennes ont la base, le même code culturel. Mais les vraies solitudes au Canada, c'est entre les Blancs et les Autochtones. Et on n'a pas encore trouvé la manière de traverser, de créer des ponts. Et je pense que la littérature, par la sincérité, doit essayer de créer ces ponts pour relier les deux solitudes. C'est ce que j'ai essayé humblement de faire. Je vous invite à la lecture, puis vous allez décider vous-même ce que j'ai réussi à faire. Voilà.
ça clore un peu notre soirée officielle, si vous voulez. Mais maintenant, c'est le temps de passer par le bar. Il y a du vin, il y a des choses à manger. Vous pouvez échanger avec les auteurs, regarder les livres. Et encore une fois, je veux remercier infiniment d'être ici. Je vous considère tous des amis. Et à la prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci pour la présentation. Oui, oui. Ah oui, oui, j'ai oublié, je m'excuse. La photo de famille, tous les auteurs et les membres de l'équipe, s'il vous plaît, pour la photo de famille. On va déplacer ça. La photo de famille, c'est très important. Si vous voulez nous aider à... Peut-être, on va s'asseoir ici. Toi, t'es déjà assis, hein? Ok. Je pense qu'on va rester en bas. Ok, est-ce que tout le monde... Gina,